Vous restez avec nous. Est-ce qu'on peut continuer ce principe? Le principe de dire que des mensonges jusqu'à la fin. Mentir tout le temps, c'est possible? Mais c'est ce que tout le monde fait en général à la télé. Je sais que pour vous, c'est un peu inhabituel, mais si vous voulez, Laurent. J'accueille maintenant la Cendrillon des cités, l'âme. Bonjour. Ça va? Bonsoir. Alors l'âme, bonsoir. Bonsoir. Donc votre vrai nom c'est... Lamia Bennaoui. Ah, vous dites votre nom maintenant. Ouais. Quand vous voulez pas le dire. Ah, c'est la première fois. C'est la première fois. Parce que j'avais envie de le dire, voilà. Ah ben, c'est bien, c'est bien, de le faire ici. C'est un énorme scoop, ça peut faire la couverture de Voici la semaine prochaine. Hein. Alors votre premier CD s'appelle... ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous avez 27 ans, hein, c'est important. Je viens d'avoir 28 là. À 28, et vous pesez toujours, vous pesez toujours 59 kilos. Pour 1m59. Pour 1m59, c'est ça. Bon, c'est tout, Laurent, ici. Il est effondré. Il trouve ça affligeant. J'ai connu pointu, moi. Et vous pesez toujours 1m72. Bravo. J'ai la mémoire qui flanche. Alzheimer. Je me souviens plus. C'est Alzheimer. Alors, votre premier CD s'appelle Persévérance. Et Dieu sait si vous en avez eu, on verra ça tout à l'heure. Alors, on va déjà passer le tube qui vous a fait connaître. C'est une très très belle chanson. Génial. Vous avez rencontré Franck Gall? Est-ce que vous avez rencontré Franck Gall? Ce serait mon rêve de le rencontrer. Ça me rappelle un peu une chanson de Berger. C'est un peu pareil. Exactement. Ouais. J'ai eu la chance de reprendre cette chanson, de chanter cette chanson. C'est vrai que j'aimerais savoir si elle l'a bien aimée. Elle a bien aimé ma version et j'aimerais beaucoup la rencontrer. Bon, vous pouvez lui dire, adressez-vous à la caméra, vous pouvez lui dire. Bah, j'espère que France, tu as aimé ma version et je voudrais vraiment te rencontrer. Ben voilà, mon avis, c'est la sphère. C'est un peu, oui, ici c'est un peu la vie de recherche, c'est un peu sacré soirée quand on se retrouve avec Laurent Baffy. Alors bon, ça a cartonné à mort, il n'y a rien à dire. Et alors là, vous avez fait grâce à Dieu, vous avez fait un deuxième titre qui est pas mal du tout, qui s'appelle Jamais loin de toi. C'est une reprise ou c'est une compo? En fait, c'est le troisième single. Oui, il y a eu assez entre les deux. Oui. Et en fait, c'est une chanson qui est sortie il y a 10 ans, qui a été produite par Hervé Benhamou, qui est mon producteur. Mais qui l'a chantée à l'époque? Marlon, le groupe Marlon. Ah, Marlon. Et Hervé Benhamou, mon producteur, avait ce groupe. Et vous l'avez fait chanter?